ça y est, il y avait un micro maintenant. Là, c'est plus ce que c'était la machine. Ouais. D'habitude, on est tranquille ici? Bah ouais. En deux mois, c'est la première fois que je vois du monde. Enfin, c'est sympa, hein. Il n'y a que Brigitte et Thérèse. Mais elles causent pas beaucoup. Alors, quel est le chantier du jour? Ben, on est en train de faire une grosse vérification de toutes les courroies. Et du coup, c'est bien de le faire parce qu'on a changé 50% des courroies. Donc. C'est vrai que c'était... C'est pas inutile. C'est quand même... Alors, c'est bien d'être deux parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Plus facile à quatre mains. C'est comme une partition de musique. Quel artiste. On est sélectionné sur notre corpulence. Évidemment, je suis un peu plus gros. Donc statistiquement, je suis plus souvent sur le pont. Du coup, c'est important de faire ce genre de choses en escale? Bah, disons que c'est de la maintenance préventive en fait. Ça évite d'avoir des grosses galères en mer et de casser encore plus de matériel. Donc ça vaut le coup. Ouais. Et puis on peut s'entendre parler, on peut tourner autour. Elles n'ont pas la même tension les deux? Si. Oh, ça va venir. Ouais. Par contre, j'aurais bien aimé celle-là aussi. La 17, c'est toi qui es là ou? Non. Attends, non, mais j'ai que la 13. Elle doit être dans ton pinceau. Sinon, tu prends la clé anglaise. Bon, ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Ouais, là, c'est bon. Je vais reprendre la clé pour le côté. Cet été, lorsque la machine tournait, il faisait combien de degrés ici? Je pense qu'il faisait bien 60 degrés. C'était moins sympa. À 60 degrés, ah. Comme dirait Marie, c'est la dénaturation des protéines. Ça va, Thomas? Tu commences yes. À cuire. Ouais, merci.